Ok, tier list. T'as en plus, c'est vrai que par contre, même la DA des visuels, des logos, je trouvais ça stylé. Hein. Attends. Comment on classe comment? Par qu'est-ce qui était le plus cool à regarder de ces JO 2024, les mecs? Ou alors, peut-être, j'avoue, peut-être, il y a un monde où les trucs que j'ai jamais regardé. Hein. Attendez, 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 mais me dites pas les sports. D'abord, on fait les tiers. Top moment sport all time. Trop bien. Mid, c'est bien. Retire-moi cette merde des JO. Hop. Ça, je mets sympa. Mid, et ça, c'est pas ouf. Ok. Attends, mid et pas ouf, c'est pareil, non? Je mets quoi? Je mets quoi, je mets quoi, je mets quoi? Attends. Est-ce que peut-être je mets. Ouais, gaze. Gaze, allez. 100 mètres! Bah, le 100 mètres, c'est. Après, là, le 100 mètres cette année, j'ai pas eu des frissons de fou, mais le 100 mètres, c'est toujours un des trucs les plus cool à regarder au JO, quoi. En vrai. Peut-être top moment, si j'abuse, non? Ou je garde ça? Je pense que ça rend trop bien. Parce que. Genre même la Noah Live, je connaissais que de loin. J'étais content de voir gagner, c'était cool même. Sa course, mais tu sais, j'étais pas non plus en mode. J'étais pas hurlé derrière l'écran, c'était pas non plus l'époque Christophe Lemaitre, Shane Bolt, tout ça, Gatlin. 10 000! Ouais, 10 000. 10 000, c'est sympa, mid. Je sais pas. Attends, 10 000, est-ce que j'ai regardé même? Franchement, je crois que j'ai. Dans 10 000, je pense que c'est dans mid, non, en vrai, avec tout le respect. Je pense que c'est dans mid, j'ai pas de souvenir. Attends, je réfléchis. C'est quoi cette merde? Attends, ça, je peux en faire une VOD, attends. Il faut des musiques non copyright. Mettre Mozart. Hop, attendez. Hop, Mozart, les gars, Mozart, ça y est, il est mort il y a 500 ans, c'est domaine public, non? C'est domaine public maintenant, Mozart, ça y est, non? Tout est varié de la. Bah oui, non, mais c'est genre chaque épreuve en mode à regarder, pas le sport, attention, c'est genre à regarder. Pourquoi tu as du Mozart, ça, c'est Free DMCA. Je sais pas en vrai. 10 000 mètres, j'ai pas de souvenir, je pense c'est mid. 1500. 1500. Pfff. 1500, c'est combien? 4, 8, 12, c'est un peu plus de 3 tours. C'est ok. Pour moi, c'est ok, 1500. Genre, tu le regardes, c'est pas exceptionnel, mais vas-y, ça se regarde, je trouve ça va. Parce que 10 000 mètres, vas-y, en vrai, je me le regarde peu. Ah! 200 mètres race. Waouh, 200 mètres. Ah, le problème, c'est que 200 mètres masculin, j'ai pas vu. Mais féminin, je crois, j'ai vu. Ouais, je pense que c'est sympa, 200 mètres. Enfin, cette année, c'était sympa à regarder. J'ai pas été happé plus que ça. Après, j'avoue, Noah Lyles, j'ai pas vu. C'était trop bien, 200 mètres! Moi, ce qui est chiant, c'est que moi, je l'ai pas vu la course. Sinon, je m'en pas regardé. Parce qu'en fait, sur le papier, c'est trop bien. En vrai, de vrai, sur le papier, c'est trop bien, mais j'ai pas regardé. J'ai regardé que des qualifs, je crois. Ouais, je m'en pas regardé alors. Steeplechase, c'est quoi Steeplechase? Chase 3 000 mètres, hé? 3 000 mètres, hé? J'ai dû voir de très loin. J'ai dû voir de très loin, 3 000 mètres, je pense. Sympa mid, c'est sympa mid. Parce que 3 000, c'est ça se fait relativement vite. C'est pas mid non plus, je pense que c'est ok. 3 fois toi basket. Étonnamment, au début des JO, je trouvais ça gaze. C'était au final très cool à regarder, hein. C'était très cool à regarder. Après, j'ai essayé parce qu'à la finale, on s'est pris un vieux bail. Franchement, c'était du propre. Oh, mes femmes, on est allé loin. 400 mètres. 400 mètres, c'est. C'est du propre, non? Attends, 400 mètres, il y avait qui 400 mètres? Est-ce que j'ai regardé 400 mètres.
JO. Bah c'est cool, ouais je mets dans sympa, allez. Parce que j'ai pas de souvenir là du 400 mètres, du coup ça peut-être j'ai pas vu, je suis un connard. 400 mètres est... Attends. I from Iceland. No way. Nice to meet you, man. Nice to meet... Fruste gruche from Iceland. 400 mètres est... Attends, là il y avait Sirena, c'était 200 mètres, non? C'est 200 mètres est, les gars. Ou 100 mètres, je sais plus, bref. 400 mètres est... Bah c'est un tour, c'est de la haie. Tu sens pas, je pense. Attends. 400 mètres haie. Putain, en fait, ah mais je suis con parce que je tombe en athlète, je loupais des trucs, mais athlète, je pense parce que j'étais en... J'étais pas là, quoi. Du coup, putain, le français, il a fait quatrième. Moi, je crois que j'ai pas vu. 5000 mètres. Ouais, mid, je pense. C'est dur de tout suivre, il y a beaucoup en même temps. Mais surtout, j'étais littéralement pas là, frère. 800 mètres, eh. Ouah, c'est... Enfin, 800 mètres tout court, c'est sympa sans plus, quoi, non? Tir à l'arc, c'était exceptionnel, tir à l'arc. Tir à l'arc, des frissons, frère. En vrai, ce qui est chiant, c'est que tir à l'arc, vas-y, les Asiatiques... Pardon, mais les Asiatiques sont trop forts. Mais tir à l'arc, c'est trop lourd, j'ai trop aimé. C'est Lisa qui a amené les médailles de bronze, non? Ça, c'est du propre. En plus, super plan, tout ça. Gymnastique artistique. Je suis désolé, hein. J'ai presque envie de mettre ça dans Gaze. En fait, il y a tellement une perf que ça se fait pas. Mais vas-y, en vrai, à regarder, je m'en fous, genre. À regarder, j'ai aucun engouement. C'est quand il saute dans l'eau. En vrai, je vous jure, j'ai envie de mettre dans Gaze. Ça se fait pas, mais vas-y. Parce que franchement, ça pour le coup, j'ai regardé. Carrément, j'ai regardé dans le train quand je suis allé en Bretagne et tout. Mais vas-y. Genre, ça me faisait ni chaud ni froid. Respect, hein. Biles, Simon Biles. C'est à regarder. Ouais, respect aux athlètes 14. Dès 14 ans, ça démarre, tout ça, c'est dur. Gymnastique artistique, j'aime bien que les poutres alignées, là. Les poutres, les barres parallèles. Ah, il y a que les barres parallèles, j'aime bien. Genre, je suis un peu hypé à regarder. Parce que je sais que t'as le cercle, t'as sur le tatami, t'as avec la balle, t'as la poutre. Non, j'avoue, j'aime pas du tout. Gymnastique artistique, c'est... Ouais, c'est ok. Je crois que c'est ok. J'ai pas... Non, peut-être c'est dans sympa quand même. Gymnastique artistique, il y a un effort, il y a une cohésion. En fait, ça dépendait trop les groupes. Non, c'est pas Gaze Rail. Mais... Parce que vas-y, il y a celles qu'on fait thriller, tu vois, ça c'est un classique. Les françaises, quand j'ai regardé, c'était pas mal. Mais bon, après, c'est trop forte, mais des fois, il y a des groupes, vas-y, ils font les mêmes trucs en boucle, c'est un peu chiant. Je pense que ça, mid, c'est bien. Badminton, c'est magique. Badminton, j'aime trop ça. Dommage, on est nul en France. Enfin, on est pas ouf, quoi. Genre, Popov, il est pas allé très loin, tu vois. Mais badminton, j'ai tout whipping. C'est natation artistique. Attends, merde. C'est quoi ça, alors? Est-ce qu'on fait du artistique et synchronisé? Mais c'est la même chose, bande de cons. Mais les frères, natation artistique, c'est synchronisé, hein. Vous êtes bêtes ou quoi? Ça, c'est traduit pas au mot pour mot, hein. Bref. Badminton, c'est du très propre. Moi, j'aime bien regarder, même si on n'est pas ouf. C'est énergique, il y a des échanges de balles, il y a des... C'est du propre, badminton, ça reste là. Basketball! Basketball, incroyable, hommes et femmes, c'était incroyable, tout était bon. La finale, ah là là, mais quelle frustration. Masculin et féminin, non, le pire, c'est féminin, les gars. Vous avez vu la finale basket féminin, les gars? J'ai cru que j'avais pleuré. J'ai pas vu en entier, mais j'ai vu la fin. À la fin du chrono, elle met le panier. Elle a fait un pas de trop, du coup, c'est un 2 points. Ah là là. Ah non, le basket, je trouve ça magique à regarder en tout point. Là, en ce moment, je suis sous full... Je suis sous full vidéo basket. Là, j'ai été un mec qui faisait une vidéo genre le parcours de Wemby sur la saison NBA et tout, c'est intéressant. Il a fait un match, il a mis 38 points à un moment, c'est abusé. Les mecs, il n'y avait pas aucune chance, juste qu'ils faisaient trop d'erreurs, il y avait la pression, donc c'était galère.
Mais oui, les femmes, il y avait vraiment la marge. Il y avait vraiment la marge de fou. Donc c'est dommage. Mais bref, non, basket, super sport à regarder. Un des meilleurs sports collectifs à suivre, je pense. Beach volley. Ça y est, cousin. Ça y est, cousin. Moi, j'étais en mode, c'est cool, le côté 2v2 peut-être. Mais les Français, on est abominables. Et en plus, les incels, ils font des blagues de merde sur ce sport. Ça y est. Ça y est, je m'en fous. J'ai très peu regardé. J'ai l'impression d'avoir rien loupé. J'ai pas envie de regarder. Non, mais shoot, on aurait perdu, je pense. Mais vas-y, on s'est bien battu, quoi. Cycling BMX freestyle. C'est Jean-Jean, ça? C'est Jean-Jean, ça, ou pas, les mecs? Ça, c'était excellent. Franchement, parce que le skate, je trouvais ça un peu gaze. Je sais pas si vous regardez skate, vous. Genre, le skate, je trouvais ça timide, les figures. Je trouvais ça très timide. Alors que le vélo... Pardon, alors oui, Jean-Jean s'est fait voler. Mais les vélos, même les autres, les figures qu'il faisait... Ah non, ça, c'est cool. Splendide. Splendide. Bon boulot, les gars. BMX Racing, bah... En fait, BMX Racing, déjà, on a vécu un moment de fou. Parce qu'il y a eu le triple podium. Triple podium français. Et en plus, ce qui est bien avec le BMX Racing, c'est que, hey, c'est rapide, c'est efficace, c'est une course, tu prends bien les virages. C'est smooth à regarder, tu vois, c'est, hey. Et on a vécu un moment de fou. Peut-être je renomme celle-là. Peut-être je renomme, parce que top mon sport all time, il y en a, ils vont se glisser alors que peut-être pas, tu vois. Genre freestyle, j'aurais pu le mettre dedans, mais c'est pas un moment all time, tu vois, non plus. Boxe, c'est cool, mais ça dépend. Boxe, c'est cool, mais ça dépend. Je trouve que j'aurais pu mettre dans trop bien boxe, mais c'est trop au cas par cas, en vrai. Parce que, des fois, il y a vraiment beaucoup de combats qui sont trop bien, mais il y a des fois, vas-y, il y a que des clinches et tout. Vas-y, il se passe rien, en vrai. Donc, je pense que c'est mi-figue, mi-raisin. Genre, tu vois, par exemple, moi, j'en rappelle la run de Tony Yoka et de sa femme à Londres ou à Rio, je sais plus. C'est trop cool à regarder. Là, tu vois, la boxe cette année. C'était cool, mais vas-y, j'ai pas été transcendé non plus. C'était à Rio, ok. Bah, tu vois, genre, il m'appelle la run Tony Hawk à sa femme, j'étais en mode. Ouah. Là, vas-y, j'ai pas été. Je sais pas, j'ai pas. Voilà, c'était sage. J'ai pas été choqué. C'est sympa. Breakdance. Je suis désolé, breakdance, les frères, mais. Franchement, en plus, je vous jure, j'avais pas envie de faire le tapin. J'avais pas envie de faire le tapin parce que moi, breakdance, je sais que la danse, il y a un truc et tout. Mais là, le peu que j'ai regardé, j'ai pas été happé. Genre, même les figures. Si à un moment t'avais des trucs avec des spins et tout, des figures, tout ça, c'était beau, mais. Ouah, je trouvais pas ça, c'était pas captivant à regarder. Après, franchement, je pourrais mettre gymnastique artistique là-dedans, mais facile, c'est pas pareil. Gymnastique artistique, ça fait des années, celle-là et tout, il y a l'entraînement, tout ça, et la prouesse. Est-ce que le karaté doit revenir? Même pas forcément, je dirais pas que faire revenir le karaté, mais. Je sais pas, là, c'est la première fois qu'il y avait. Non, Warthaz, j'ai regardé quand même. Je suis pas un suiveur, mais le truc, c'est que même en regardant. J'étais en mode. Arrête, j'ai vu qu'une seule finale. J'ai vu que la finale du français qui a perdu là. Mais même en regardant les phases et tout, j'étais en mode. Ouah, je suis pas happé, genre. J'étais pas impressionné. Alors que. Enfin. Comme je disais l'autre fois, je suis pas expert en danse. Mais genre, le crump. Je trouve visuellement, c'est grave plus impressionnant le crump. Comment les mecs ils jouent avec leur corps et tout, je sais pas. Mais bon, j'ai pas. Du tout. Genre, c'était la première fois qu'il y a le breakdance au JO. Je crois qu'il y aura même plus à LA. J'ai pas été happé. Décevant. Canoë slalom. Les mecs, pause. C'est quoi la diff entre slalom et sprint? Parce que dans les deux cas, faut prendre les virages, non? Dans les deux cas, faut prendre les virages, non? Attends. Canoë slalom. Parce que oui, c'est pas le canoë Fall Guys, le slalom. Canoë sprint. Je sais pas, les mecs. Le sprint, c'est une course. C'est le by Fall Guys. Slalom, j'ai vu, c'était cool. Sprint, j'ai pas vu les phases finales. Si c'est le by Fall Guys... Sprint, c'est comme l'aviron, mais plus rapide. Ah, attends. Ah, on était nuls, non? Oh, mais femme, on était à chier, non? Attends, get. C'est ça? Est-ce que c'est si ou c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps on n'avait pas eu de médaille, on avait été à chier, non? Ouais, c'était mid, c'est pas... Déjà, on était nuls, en plus, c'était pas foufou à regarder. Alors que Canoë Slalom, c'est sympa quand même. Escalade, j'ai pas beaucoup vu, putain. Alors que escalade, pour le coup, je trouve ça vraiment bien. Mais j'ai pas... C'est limite, je mettrais dans pas regarder, genre, je pense j'ai vu que deux escalades. Genre, escalade, visuellement, je déteste en faire, mais visuellement, je trouve ça grave cool. Ça pourrait rentrer dans trop bien, mais vas-y, mais non, sympa.
Course cycliste. Ah, vélo, c'est cool. Ah, vélo, c'est très cool, même. Franchement, en plus, là, dans Paris et tout, ça remontrait Belleville, tout ça. Cycling road. Non, mais les gars, ça, c'est le vélo ou... Attends. C'est vélo dans Paname, ça. Cycling road, attends. Ces sports, t'es DTR. Bah, j'ai pas vu toutes les phases de A à Z, mais j'ai consommé, frère, les JO. Attends, c'est la première fois chez nous depuis 1924, gros. Passer devant, je t'en plus la dox, non, c'est fort. Ça, la dox Rémi, ça me rend très heureux. Ouais, non, c'est. En vrai, c'est. Non, c'était cool, franchement, c'était. Trop bien. Franchement, parce que moi, je trouve que c'était mieux que ce qu'il y a là. En vrai, j'ai beaucoup. En vrai, je crois que c'est dans trop bien. Ça a écrit vélo de piste, vélo d'intérieur, j'avoue, j'ai pas regardé du tout, les mecs. Vélo d'intérieur, j'ai pas regardé du tout. On a 23 ans, on verra plus jamais de JO à Paris de toute notre vie. Rai, c'est pas sûr, hein. Rai, c'est pas sûr, hein. Parce qu'attends. Moi, je te le dis, parce que, attends, Rio, ils font pas des JO. Attends, Jeux Olympiques. Moi, Rai, je te le dis, ok, j'ai un prono. Là, vu comment ça s'est bien passé, frère. Vu comment ça s'est bien passé, les gars, je pense que ça va revenir. Mais ah, il peut pas. Non, mais frère, c'est sûr, parce qu'en gros, 1924, c'était l'ancienne époque et tout. On n'avait pas de moins d'infrastructure. Là, les mecs, ça s'est tellement bien passé. Genre, là, dites-moi, honnêtement, à part les bails de la Seine où il y avait du caca, dites-moi un mauvais côté des JO, là. Tout s'est bien passé, frère. Ça va revenir. On va les revivre. L'après. Non, mais l'après peut être bizarre. Mais là, je te dis, pendant les deux semaines et tout, attends, Guette, là, je te dis, les JO, c'est comment? Los Angeles, Guette. Là, c'est à Los Angeles, la dernière fois que c'est arrivé aux US. Bon, après, les US, c'est un autre monde, mais... T'as vu Atlanta en 96 et LA en 84, hein? Tu vois? Et en plus, carrément, la France, tellement ils ont confiance, on a les JO aux Alpes en 2030. On a les JO aux Alpes en 2030, tu vois? Genre, c'est quand même. Moi, je pense que si les Alpes, en plus, ça se passe bien, ça confirme, je pense, que dans 30-40 ans, on a religio. Stream jeu d'hiver, j'avoue, JO d'hiver, je suis moins dedans, mais bon, à voir, franchement. Comme là, c'est à la maison et c'est à nos horaires. Oh, j'aurai 29 ans. C'est dans 6 ans. J'aurai 22 ans. T'as quel âge? T'as 16 ans, va réviser! Va réviser, mon gars, t'as le bac français, frère! Putain, mais les gars, il a 16 ans, il est même pas si jeune, c'est ça le plus grave, bref. Pas tombé dans le tapis, il est même pas si vieux, genre. J'ai déjà passé mon bac, wesh! Comment t'as déjà passé ton bac? À 16 ans? Putain, la phrase de Cassos, oh là là. Ah, bac de français, ok. Bref. Je pense qu'on aura re des JO à Paname d'ici 30-40 ans, en carré, les mecs. 2064, on sera échauffé, on sera prêt, y a pas de galère. Après, si on peut les revoir dans 20 ans, moi ça me va, on est encore jeune. Enfin, jeune. On sera encore. 40 ans, je pense que t'es encore un peu frais quand même. On verra bien. JO en Belgique. Les JO en Belgique. Course de frites une fois. Un seau de bière. Flamand nage libre, 4 fois 100 mètres flamand. Pardon les Belges. Attends. L'épreuve médaille d'or, décathlon de seum. C'est bon, pardon les mecs. Les Pays-Bas dans 20 ans qui n'existeront plus. Bah, on pourra faire la natation là-bas au moins. Ça, les Belges, putain, mais hey, chien coup les gars, chien coup, sérieux. Décathlon, heptathlon. Dojo, j'avais adoré, là j'avoue, je regardais que d'un œil quoi. Pas dire mid non plus, mais juste que vas-y. En vrai, t'avais pas Kevin Meyer, le meilleur ami d'Orient. Et je sais pas, non, j'ai suivi que d'un œil. C'est tout. Franchement, limite, je pourrais mettre dans mid. Mais vas-y, ça reste quand même un beau panel d'épreuves. Ça reste cool à regarder objectivement, mais vas-y, c'est juste. Là, je m'en branlais. Franchement, en temps normal, ça aurait dû être là. En temps normal, ça aurait dû être là, mais là, j'ai... Après, dans Fighton, j'ai pas regardé beaucoup. Malheureusement, non, j'ai pas suivi, c'est mid, malheureusement. Ah, quoique, attends. Après, là, ça joue aussi que, vas-y, on... T'es sur un stream, Togé, pour dire ça. Ouais, tu regardais le documentaire de ton meilleur ami, j'ai vu.
Putain. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas, mid ou sympa? Non, c'est Jiwala mid, pardon. Discus row? C'est quoi ça, discus row? Lancer disque. Ou alors c'est dit, cette année c'était mid. Normalement c'est cool, mais cette année c'était mid, pardon. Hein. Il y avait, c'est quoi, c'est Malo Breton on est, où on avait été forte, non? Et elle a choke là un peu. Normalement c'est cool, mais vas-y, c'était Osef là. Plongeon, tu connais tout. Mais Warthas, wesh, on a consommé, frère. On a consommé, frère. Attends, c'était les Jeux Olympiques de Paris, mon gars. Heureusement, on consomme. Plongeon, Ouais, c'est mid. Je sais pas. Plomb, c'est trop bien. Ouais, Plomb, vas-y, les Français, on est nuls. C'est des sports, c'est pas pour nous. Pardon des mots, mais c'est pour les Asiatiques. Pardon des mots, mais c'est pour les Chinois, les Japonais, les Coréens. Ils sont trop forts là-dedans. Nous, on est nuls. Mais, ah non, attends, est-ce qu'il y a Plongeon synchronisé ou pas? Plongeon synchronisé, c'était Gaze. Je trouve pas. Bon, ça doit être là-dedans. Ça rentre dans mid, ça rentre dans mid. Équitation. En fait, équitation, t'as... Arrête, pardon, hein. Arrête, pour moi, le saut de haie, là, c'est fort. Mais les autres bails, là, les harmonies, il faut danser et tout, ça pue sa mère. En mode, ça danse sur alors on danse. Saut d'obstacle, c'est fort. Je pense que c'est mid, hein. En vrai, c'est mid parce qu'il y a du bon et du mauvais. Fencing, oh là là, Escrime, on a. Escrime, c'est limite dans top moment. Escrime, c'est limite dans top moment, franchement, les mecs. Escrime, je crois que c'est dans top. Hein. En reste. Non, Escrime, je suis un ouf, j'ai oublié Patrice. Escrime, il y a eu trop de trucs. Juste qu'en fait, la fin de l'escrime, c'était triste. Les bails en équipe, on a trop chié dans le pot. Mais vas-y, les premiers bails, à la finale franco-française, sabre, fleuret, épée, l'équipe masculine avec Patrice, la médaille d'argent de je sais plus qui, la médaille d'or et d'argent de. D2. Non. Escrime, on a mangé. À ça d'essayer l'escrime. Oh, attends. Je crois que c'était l'équipe de Patrice. On se faisait mener de 18 points. Ils ont rattrapé. Ah là là. Non. Escrime, c'est très très fort. Football. Erase that shit. Efface-moi cette merde. Non, les mecs, ça y est, le football, ok. Pardon, les mecs, le football, respect. Parce qu'on est là en finale. Bravo Thierry Henry, bravo les jeunes, bravo la casette. On a bien joué, on s'est bien battu. C'est cool. Le format est chiant au JO. C'est chiant à regarder, genre. Là, les mecs, le foot, les mecs, je vous jure, les mecs, le foot, le content qui a été apporté au foot, c'était extra sportif. Le content au foot, là, au JO, je le jure, c'est parce que. En demi-finale contre l'Argentine, on s'est pris une VAR de 10 minutes. Minute réglementaire, j'ai plus le terme, wesh. Arrêt de jeu de 11 minutes. Et après, une bagarre hors du match. C'était ça le contenu du foot. Le pic du foot, c'était ça. Plus on a payé la médaille d'or. Le foot, erase that shit. Efface-moi cette merde des JO. Mon gars, tu fais comme le rugby. Tu me trouves un moyen de moyenner. Tu me trouves ça plus court. Le rugby, tu vois, le rugby. Après, le rugby, c'est cool. Mais, tu sais, vas-y, on t'en consomme toute l'année. Là, rugby à 7, 2 fois 7 minutes, un quart d'heure, tu t'envoies ça. T'es le même terrain, t'as moins de joueurs. Ça envoie des piquettes. On dirait c'est du c'est rugby boosté. Hop, c'est Antoine Dupont, il t'envoie des sprints. En plus, c'était rapide. Ça a duré 3 jours. Première médaille d'or française des JO. Eh, c'est un peu efficace. Rugby à 7, c'est cool. C'est cool à regarder. Tu sais, ça change de d'habitude, même si je crois qu'il y en a au cours de l'année, tu vois. Mais le foot, non. Le foot, c'est chiant. Le foot, en 23 ans de vie, 23 ans de JO, ce moment, c'était cool. C'est vas-y, là, on a eu l'argent, ok, c'est carré. Et Neymar, il a fait les JO. Tu as Kings League, même pas, franchement, parce qu'en fait, les mecs, il y a un truc très simple. Le temps d'un match de foot, on a eu quoi? On a eu
un match d'escrime, la finale de BMX, un match de boxe, 2-3 courses, un jeu de ping-pong, et le match n'est pas fini. Non. Ce qui est bien dans les JO, c'est l'effervescence, c'est le multiplex, c'est t'enchaînes, t'as plein de sports. Fa. Le foot, c'est un gros bloc, c'est chiant. En plus, le foot, il y en a toute l'année, ça y est, frère, ça y est, cousin. C'est-à-dire, pourquoi le basket? Le basket, le rythme, il est lourd, c'est bon. En plus, le mec a dit, le foot, tu regardes 90 minutes pour 5-10 temps forts. Il a raison. Je suis un footix. Oui, et alors? Oui, je suis un footix. Ça y est, le basket, il mérite des temps hauts. Foot, ça y est, mon gars. Ça y est, reste là. Oui, je suis un footix. Erase that shit. Modifiez-moi ça. Mais bravo, quand même, pour la médaille d'argent, moi, j'ai kiffé. Golf. Erase that shit. Efface-moi cette merde. Qui a regardé le golf? Non, mais sérieusement, pardon, mais vas-y. Je préfère les je pense faire les fléchettes. T'sais, le golf, il n'y a pas... Arrête, j'avoue, j'ai peu regardé le golf. Mais le peu que j'ai regardé... Non, ok, certes. Bogey! Club! Home run! C'est bon. Non. Le golf... Ça y est, c'est chiant. C'est même pas guess, c'est erase that shit. Hammer throw. Moi, j'aime bien ces calmes de fou en gueule de bois. Mais là, tu aides pas ta cause. Tu aides pas ta cause, frère. Ça, c'est lancer de marteau, ça. Minigolf serait plus intéressant, je te jure, c'est vrai. Franchement, minigolf, tu prends des mecs, des athlètes de 120 kg de muscle. On prend. Lancer de marteau, j'ai pas regardé. Sincèrement, j'ai pas regardé. Handball. Handball, c'était mis à regarder cette année, je trouve. Handball, c'était mis à regarder cette année, en vrai. Genre, en général, c'est cool. Mais en fait, là, je viens de me rappeler, les mecs ont fait... Mais les mecs, je maintiens, les hommes handball ont fait la pire action de tous les JO. La pire action de tous les JO. Pour moi, y a pas un mec qui a un screen. Y a pas un mec qui a un screen au handball. Les mecs, il restait 40 secondes, on avait 2 points d'avance. 40 secondes, 2 points d'avance. On se fait rater. Et c'est pas au basket, hein. Un but égale 1 point. Attends, on va voir sur Fédé de la loose. Non, mais le screen, il est lunaire. Attends. Je vais voir s'il n'y a pas le screen du handball. Ah, mais c'est... J'y repense, c'est de la migraine. Attends. 30 juillet. On va peut-être remonter un peu loin, là. Ils n'ont pas tweeté ou quoi? Je suis quelque chose d'avoir vu le tweeter. Peut-être pas eux, mais... Non, je trouve pas. Ah, attends. Oh. Ah, mais t'as l'action, c'est mieux encore. Attends. Tac. Comment je monte? Capture de window. Tac, bang. France TV, s'il vous plaît, me strikez pas la VOD, ça y est, je montre un extrait de 10 secondes. Allez, balance là. Les gars, à ce moment-là, il restait 6 secondes de jeu. 6 secondes de jeu, il y avait un point d'avance pour la France. Le coach, il s'est dit, je vais faire un temps mort. Je sais pas pourquoi, il a demandé un temps mort. Ils ont relancé l'action, et lui... Gros, t'avais juste à... Parce que, évidemment, je crois qu'il y a de l'anti-jeu. Du coup, tu peux pas garder la balle juste et partir en courant à l'envers. Moi, à sa place, soit je tente une passe de malade, soit je tente un tir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, balance là. Non, mais c'est pas possible. Allez, balance là. En plus, on avait bien joué ce match. Franchement, on avait bien joué ce match, je me rappelle. C'était pas trop mal. Oh, mais non, c'est pas possible. Mais t'entends le commentateur? Non. Ça mériterait guess, franchement. C'est trop tard. Déjà, il faut pas. Ça mériterait vraiment guess. En train de vérifier. À 4 secondes. 4 secondes de la fin, ta grand-mère. 4 secondes de la fin. 4 secondes de la fin. Non, c'est la honte. T'envoyer une praline dans les buts, c'était gagné. C'est ça, c'est pour ça que je peux pas être dans guess. C'est que vas-y, les meufs nous ont ramené une médaille d'argent quand même. Ils nous ont ramené l'argent, tu vois. Je peux pas mettre dans guess. On met dans mid. Parce que vas-y, franchement,
Franchement, les matchs, les mecs ont été abominables à regarder. Les mecs ont été abominables à regarder. Désolé, hein. Les pros handball. Je parle en handballiste, hein. Mais le handball, il jouait tellement pas. Il jouait tellement pas, genre. Non, je peux mettre en guise, frère. On a eu médaille d'argent en féminin. On enchaîne. High jump, saut en hauteur. Les mecs. C'est malheureux, la tête de homme, saut en hauteur, j'ai pas vu une seule fois. Alors que j'aime bien, je suis dégoûté, je sais pas c'était quel jour, j'ai pas maté une seule seconde, pardon Dorian. J'ai pas maté une seule seconde, je sais même pas c'était quand, frère. Ce truc que j'ai vu, c'est le clip où il y a le finaliste, il s'est jeté sous la corde. Et après, ils ont fait égalité avec les deux. On a dit, médaille d'or tous les deux. L'américain, il a dit, hell nah, il a perdu. Bien fait pour sa gueule. Mais franchement, normalement, c'est cool à regarder, mais là, j'ai juste pas regardé, là. Navré. Ok. Erase that shit. Efface-moi cette merde. Mais non, mais les mecs, son hauteur, c'est cool. Son hauteur, c'est cool. Mais pardon, mais... Ok sur gazon. Erase that shit. Attends, l'ok second, je préfère parce que j'ai taffé sur le site, il était 50% des matchs, découvert, ça envoie trop sa mère, mais à la télé, un peu moins, impression irréelle, plus bien vu chinoise, c'est trop fort, dommage. Non, en vrai, erase that shit, peut-être c'est méchant. Parce que là, j'ai regardé un peu... En vrai, j'ai regardé beaucoup de... Attends. Bien, c'est très simple, je préfère regarder... Ok sur gazon ou un live de Théo. Non, rien, un live de Théo. Bon, allez. Erase that shit. Plus ouais, la France, on n'est pas allé très loin. Aucun intérêt. Enlève-moi ça. Tu vois, ok sur glace, vas-y ça. Bah, ta. Pfiou, ting, ting, ting. En plus, vas-y, tu sais, il y a un décor, ok sur glace. Ok sur gazon, en plus, c'est des mauvais souvenirs du collège. On faisait ça au collège, c'était nul. C'était nul, franchement. Non, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de hype. Au revoir. 100 mètres, 110 mètres, haies. Bah, c'était très très bien, 110 mètres, haies. Enfin, masculin, c'était gaze. Féminin, incroyable, Sirena. Course de fou. Des frissons. Ça pourrait être un top moment, presque. Hein. Elle avait l'air, je pense, c'était top moment. Franchement, c'était trop bien. Parce que Sacha Zoya, le prospect, Égérie Adidas, Nanani, tout ça, il est pas arrivé en finale, le frère. Après, bon, je blâme pas. C'est la France, l'athlétisme et tout, on galère, mais... C'était, je pense, c'est l'athlète... Je t'ai trompé là. Ah ouais? J'ai mis où? J'ai mis en pas regarder. Ah merde! Je serais plus sport. T'as mis le lancer de javelot en trop bien là. Ah mais qu'est-ce qu'il... Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là dans ce javelot? Vas-y toi. Mais T'as mis javelot, ouais, j'avais pas vu. Non, franchement, c'était très cool. Enfin, masculin, c'était bon, Osef. Surtout qu'en plus, le prospect, Sacha Zoya. Il a chié dans le pot. Mais par contre, féminin, Sirena, super médaille d'argent à 1 centième. C'est ballot, mais c'était propre. Ensuite, lancer javelot. J'ai très peu regardé lancer javelot. J'ai très peu regardé en vrai lancer javelot. J'ai très peu de souvenirs. Genre, en fait, là, c'est de me souvenir lancer javelot, je pense à. Ouais, non, venant, j'ai pas vu. J'ai vu pendant le décathlon, les mecs. J'ai vu pendant le décathlon, moi. J'ai pas regardé, j'ai vu en décathlon. Dommage, désolé. Ah là là, ah là là, ah là là. Mais judo, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que judo, j'ai besoin de parler? Attends. Top moment, et carrément, je l'ai mis premier, c'était exceptionnel. Mais les mecs, ça m'a fait retomber amoureux du judo, les gars, mais waouh. C'est passé. Ah, les dingueries. Ah, mais le judo individuel et équipe chaque jour. En plus, le judo, je sais pas qui a eu l'idée du rythme. Mais je trouvais ça trop... C'était exceptionnel. Chaque jour, chaque poids, tu suis un groupe de poids. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Le judo à suivre, c'était incroyable. En plus, bon, évidemment, le fait qu'on soit excellent en France, ça aide à apprécier le bousin. Mais là, oh là là... Tu sais, t'as une journée, t'as Gaba qui est 31e mondial, il t'envoie en finale. Tu suis Romain Dico, tu suis Clarisse, tu suis Teddy... Tu suis, j'ai pas tous les blazes. Tu suis tout ce beau monde. Et en plus, il n'y a pas de blanc, je rigole. Ça va, putain. On se détend. Putain, c'est de l'humour, les mecs. Non, franchement, c'était... Non. Judo, meilleur sport de ces JO à suivre de très très loin. C'était une semaine folle. Attends, faut que je retrouve. Il y a un mec, il a fait un montage, c'était carré, attends. Et en plus, non, mais les mecs, désolé, mais... Comment on dit, putain?
Le storytelling de la finale judo par équipe, désolé, mais c'est top 5 all-time. C'est top 5 all-time, il n'y a même pas de débat, je sais pas quoi. Top 5 all-time, indébattable. Là, les mecs, ça choque sur des trucs bizarres. Tu sais, t'as la meuf qui a des tresses, elle se fait avoir par la technique de la japonaise qui renverse. T'as les autres, ils perdent. La bang, Tagaba, il affronte un prospect de fou. Il affronte un des meilleurs combattants, je sais pas quoi. Il le choque sur après un combat de 9 minutes. Clarisse, elle choque. 3v3. Bang, la roulette. Eh, ce montage, c'est un classique. Juste, je sais pas pourquoi, il a mis un vieux montage à la fin. Mais... Le Real qui s'est dit, t'envoies le plan. T'envoies le plan avec la cam qui monte là. Eh, toi, j'espère t'as une... J'espère... Ça, vas-y, c'est pas obligé, tu vois. Ça, vas-y, pourquoi? Ça, pourquoi? T'avais le montage de l'année. T'avais le montage de l'année. Pourquoi? Gros, t'avais le montage du millénaire. Là, je vous jure, je fais quoi? Je sais pas, je trouve ça casse les trucs. Tu mets ta-na-na-na et tu mets le hippon, je sais pas, tant pis. Et bon, bref, judo, magnifique. Magnifique, rien à ajouter. 9e merveille du monde. Bravo la France, j'en veux tous les jours du judo. Long jump. Soit en longueur. C'est cool, mais j'ai pas de souvenir. J'ai pas regardé, je crois. Mid, non, moi j'aime bien, mais j'ai pas regardé, je crois. T'as pas vu, t'étais pas là. Non, mais Dorian, même. Ouah, putain, ma voix est partie en steak. Même depuis la Bretagne, j'ai maté des trucs, mais j'ai loupé beaucoup, quoi. Genre basket 3x3, tu vois, j'ai quand même vu la finale, mais. Ou d'autres trucs comme ça, mais. Surf, même surf, j'ai vu. Ouais, bah je me dois pas regarder, j'ai pas de souvenir en vrai. Marathon. Marathon, j'ai pas vu. Marathon swimming? C'est quoi ça, marathon swimming? Triathlon? Je connais que marathon swimming? 10 km dans la Seine. Ouais, j'ai pas vu, je crois. Parce que moi, j'ai vu triathlon relais. Qui a tout sur le montage judo? Merde, je l'ai plus, putain. Bon, attends, je revois après. J'ai pas de souvenir. Hey, j'ai loupé beaucoup de trucs en vrai. Hein. Cycling, mountain, bike. C'est quoi ça? Ou peut-être j'ai vu, mais j'ai pas de souvenir. VTT. VTT, on n'a pas eu l'or là-dedans? Si, Perrin Prévost. Non. Attends. La ligne d'arrivée, bien sûr. Ah ouais, putain! C'était incroyable! C'était incroyable! C'est là où, masculin, il y a eu des. Arrête, j'ai vu que milieu fin. Mais les gars, est-ce que c'est masculin quand le mec était premier et d'un coup il y a eu une risque de fou et il s'est fait doubler? Ah non, ça c'était très bien ça. Ça c'était grave bien. Après, j'avoue, j'ai pas tout vu ça. Mais non, c'était propre, pardon. Mais même putain, elle avait une avance de taré, non? J'ai oublié parce que c'était le début des JO. Elle avait une avance de taré, non, la meuf? Les gars, c'est qui nous a ramené la médaille d'or là? Putain, j'avais oublié. Mais oui, chien, j'ai oublié ça. Ah voilà, 3 minutes, bravo madame, c'est bon, je me rappelle. Ah non, ça c'était très très bien. C'était dans la ville, dans la forêt là. Pentathlon moderne. Truc dans le sable là, ça? Attends. Équitation avec cheval tir au sort après scrim en format King of the Hill, une touche gagnante après 200 mètres nage en 5 tours de course. Ouais, ouais, je connaissais pas. Il y avait ça aux autres JO. Je trouvais c'est mid sympa, genre. J'ai surtout vu les courses tir, moi, j'avoue, dans le pentathlon, mais. Putain, y a pas eu marche athlétique cette année. C'est vrai ou pas, shoot? Après, je pense qu'ils retirent aussi parce qu'ils sont pas bons. Si ça se trouve, ils ont eu 3 médailles d'or là-dedans. Genre, depuis le début des JO, je crois que ça existe. Ah, ok, c'est en mode l'héritage. Pole vault. Soit la perche. Ouais, soit la perche, j'ai pas regardé, les mecs. J'ai rattrapé, j'ai vu des trucs, mais... Attends, c'était quel jour? Top moment all time. Mais les mecs, je vous jure, j'ai pas vu. Attends.
saut à la perche finale. Ça, c'est très simple, c'est quel jour? 7 août, j'étais pas là. J'étais pas là. Parce que ouais, je pense, attends. Homme, c'était le 5. Mais oui, je sais qu'il y a le Suédois ou je sais plus quoi. Il a fait le record du monde, non? Ouais, voilà, Suédois. Duplanty, ouais, voilà. Non, j'ai pas vu les mecs, désolé. Alors qu'en plus, je kiffe soit à la perche. Renaud Lavillenie, on était là. Mais c'est, en plus, c'est pas lui, comment on dit? Comment on dit, lui, il a battu 9 fois son record ou un truc comme ça? Mais quand, en top moment all time? Ben non, je vais t'en pas regarder, j'ai pas vu. Race Walk. T'as rien vu de l'athlée? Ben c'est la semaine pile où j'étais pas là, hein. J'ai loupé les détails. J'ai... Mais je focus que surtout qu'il y avait des Français, j'avoue. Attends. Race Walk. C'est 20 km? Ah, c'est la marche, ça, du coup? Attends. Mais je crois qu'il y a écrit walk. Mais c'est quel jour, ça? Je vous jure, j'ai pas vu. 7 août. Diniz. Mais non, Diniz, il a arrêté. Diniz, il est plus là, non? Le matin. Ah, mais ouais, les mecs, vous aussi. Parce que, mais je vous jure, attends, mais moi, les mecs, parce que moi, tous les matins, je mettais la télé, je mettais les JO, j'avais pas ça, hein. Moi, j'avais pas ça, wesh. Moi, j'ai eu... C'était à 8h du mat. Ah... I understand now. I understand now why I didn't cheat. Je crois surtout que j'ai vu le matin tôt. C'est triathlon par équipe. Et on s'est fait cuire de tête. Attends, je vais vérifier, mais je crois qu'on s'était fait cuire. Triathlon par équipe. Je regarde. Moi, je trouve pas. Bref, gymnastique rythmique. Ah, c'est ça les trucs dont je parlais, ok, avec ballon, arceau, tout ça. Ouais. Sexiste, mais comment ça sexiste? Il y a des mecs aussi. Il y a des mecs aussi qui le font. Attends, gymnastique artistique, j'ai bien vérifié, c'est quoi? Ils ont mis 3 médailles d'or, les US. Ouais, c'est les arceaux, c'est poutres, tout ça, nanana. Et gymnastique rythmique. C'est le ballon, les cercles, le... Ouais, bah moi, j'ai vu ballon et peut-être un peu de cerceau, mais ouais... Je sais pas, je me pose pas devant, quoi. C'est mid. Rowing. Rowing, c'est aviron. Rowing, c'est cool. Attends, je vérifie. Rowing, bateau. C'est aviron, les mecs. Ouais, voilà, aviron, moi, j'aime bien. Merde, non, trop bien, faut pas abuser non plus. Je trouve ça cool, moi, aviron. Juste, vas-y, on était à chier, là. Trouver ça mid. Oh non, je sais pas, moi, je trouve c'est... T'as un petit truc, t'es en mode... Genre, vois la coordination et tout sur la ligne droite, je sais pas, j'aime bien regarder, mais vas-y, on était à chier cette année. C'est ça qui est chiant. Non, je trouve ça sympa. Là, ils vont se dire, quoi, tu mets aviron devant, gymnastique artistique. Et alors, rugby à 7. Rugby à 7, on se régale. Eh, moi, j'étais un trimar. Moi, rugby, je savais même pas rugby à 7, c'était 2 fois 7 minutes. Eh, le format. Eh, Royal Bacon. Je suis arbitre de rugby à 7, donc en fait, le format tournoi sur le terrain est trop cool. Mais moi, j'aime. Parce que rugby, c'est cool, mais vas-y, je me cuis pas ça, genre. Alors que là, bang, 2 fois 7 minutes, rapide, efficace, on grind. C'est rapide, efficace, cool à regarder. Tu cours sur tout le grand terrain, il y a moins de monde. T'envoies des touchdowns. C'est pas ça le mot, c'est un essai. Voir transformer, si t'arrives à le mettre dans le H. C'était coolos. Saving. La voile, ce qui me saoule, c'est que... Moi, j'adore la voile, mais à suivre, wow, les bails de comptabilisation des points et tout... Faut s'accrocher, quoi. T'as capté ou pas? J'ai envie de mettre ça dans mid. J'ai envie de mettre ça dans mid, voile. Parce que, bah, j'y...
Vas-y quoi, enfin, c'est dur la comptabilisation des points. Genre moi j'aime bien les voir être sur le bateau, réfléchir. Tac, on en panne, on lâche la voile, hop, mets-toi un rappel et tout. J'aime bien, mais ah, la comptabilisation des points, je suis pas hypé genre. Tire. Tire, j'ai très peu regardé hein. La Coréenne et le Turc sont trop badass. Ils sont trop badass. Je suis en mode c'est. Sympa. Je sais pas, je trouve tir à l'arc c'est mieux quoi. Après, j'ai très peu regardé en vrai. Ouais, je pars pas d'avis, je dirais pas, j'ai pas assez regardé pour avoir un avis. Shot pute, c'est quoi ça? Lancer de poids. Lancer de poids, c'est sympa. Lancer de poids, j'ai un peu regardé, c'est sympa. Parce que tu sais, tu vois leur. Comment ils spin et tout. Vas-y, on va être dans sympa. Attends, j'ai mis où Oh non, lancer de marteau et javelot, j'ai pas guetté. Lancer de poids, j'ai vu un peu plus déjà. Et j'aime bien, tu sais, comment tu sais. Tu sais, genre des gabarits aussi imposants, tu sais, ils arrivent à tourner comme ça sur eux-mêmes, je trouve ça cool. Mais non, c'est dit, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu que poids et javelot dans le décathlon, les mecs. Skateboard. Skateboard, pour ceux qui ont regardé, pour moi, c'est le BMX en moins bien. Enfin, c'est le BMX en moins bien, je suis désolé, mais je trouve les figures. Alors, peut-être j'en attendais trop en mode qu'ils fassent des bails Tony Hawk et tout, mais. Genre, je trouve les figures étaient pas impressionnantes. Genre, tu vois, ils sont bons et tout. Même, il y a un mec à moi, un Américain, il était. Ah si! Il y a un Américain, il était graffeur, il est tombé. Mais je sais pas, ça m'a pas. J'ai pas été happé par le truc. Surfing. Surfing, c'était sympa. En fait, surf, le blême. Parce que ça peut être dans trop bien, je pense. Mais surf, le blême, c'est vas-y. Faut attendre! T'as le temps de te laver, shoot. Là, j'ai pas fini encore. Il en reste beaucoup d'épreuves. Genre. Surf, le blème, c'est que c'est cool à regarder. Mais, ah bah, il faut attendre les vagues. Faut attendre les vagues. Et j'avoue, j'ai pas vécu en direct la médaille d'or de Caroli Vast. Enfin bref, le français qui est la médaille d'or. Mais la meuf, j'ai vu. Et bah, c'est trop frustrant le système des points et tout, quoi. Genre, ça qui est chiant, c'est que. Le commentary était cool. Le lieu était cool. En même temps, c'était à 3h, pas tout le temps, hein. Il y a des fois c'était à 22, 23, tout ça, du coup je guettais. Mais quand tu regardes, en fait, en direct, vas-y, t'attends 20 minutes, t'es là, même les surfeurs ils se font chier. C'est franchement, les mecs, nique sa mère, empreinte carbone. Envoyez des vagues artificielles, franchement. Envoyez des vagues de 8 mètres, franchement. Mais bon. Natation! Natation, que le dire? Natation, que le dire? Léon Marchand, 4 médailles. 5 même, dont le truc par équipe. Manodou, qui te revient 12 ans après. 4 JO, 4 médailles. La meuf qui te ramène une médaille au. 800 1500 Je sais plus. Il a une médaille, Grousset, non? Il a eu une médaille de bronze, non? Ou il a eu que en par équipe? Attends, médaille olympique. Ah putain, il est que par équipe, le pauvre. Ouais, mais tu vois. Non, mais natation, tu vois, c'est rapide. Tu vis des trucs, t'as plein de nage. Ta. Et puis bon, on a Michael Phelps, français, quoi. On a un poisson, on a Aquaman. Voilà, oui, je suis un tapine. On a Aquaman. C'est cool à regarder. De toute façon, la natation, c'est toujours le meilleur truc à regarder. Un des meilleurs trucs. Et là, on a un super prospect qui arrive. Ledecky. Mais oui, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que même là, même les non-français, Ledecky, elle arrive. Elle bat ses propres corps et tout, c'est fou. Tommy, top 1 natation s'il n'y a pas marchand. Je pense pas. Mais natation, c'est toujours un régal à regarder. C'est toujours impressionnant à suivre et à regarder natation. C'est toujours un régal. Sauf que là, frère, sauf que là, le marchand, il était tellement été impérial, frère. Il t'a tellement envoyé des paires, frère. C'est coulé. L'avance qu'il prenait sur chaque truc et tout. Et en plus, même sans marchand, franchement, la médaille de bronze de Manodou, elle faisait tellement plaisir que franchement, ça, quand même été, ça reste du top moment, les mecs. Tennis de table, aïe 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 aïe, les Lebruns, aïe 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 aïe, Félix et Alexis Lebrun. Bon, surtout Félix quand même, mais comme les Lebruns, ah là là. En plus même, tu te dis,
Et oh, médaille de bronze, il venge son frère. En plus, attends, il lui a mis 4-7 à 0, les mecs, non? Les mecs, on est d'accord, le Brésilien, en médaille de bronze, il a mis 4-7 à 0. Ah non, non, non. Même par équipe et tout, là. Après, équipe, vas-y, c'était... ils avaient perdu contre les... quoi, japonais, je sais plus, chinois, enfin bref. C'était tellement raciste, pardon. Oh, attends, mais je suis un ouf, mais comment je l'ai dit? Les chinois, je suis un ouf, je m'excuse. Ouais, attends, comment je l'ai dit? Je dis, bref, en mode, et on s'en branle, bref. Parce que je savais plus, parce que en fait, ils sont forts dans tous les sports. Mais Bibou, c'est vraiment chinois qui sont... qui ont l'empire. T'es une ordure. Non, parce que les gars, les gens vont oublier que c'était lequel pays asiatique qui sont impériaux au ping-pong? Et c'est la Chine. Mais après, les Japonais sont très bons quand même. Les Japonais nous ont fait chier en demi, je crois. Mais on les a battus quand même. Donc bang. Bravo les frères Lebrun. Et le troisième dont j'ai plus le blaze, désolé. Vous allez mater ça, tu sais quoi? Moi, je suis un mec professionnel. Vous avez fait rêver 2 médailles de bronze en ping-pong. C'est beau. Gozi Simon. Merci, monsieur, toi aussi. Taekwondo, je comprenais rien, mais on a eu des médailles, donc sympa. Taekwondo, je suis désolé, le mec, je comprenais rien. Enfin, j'ai compris la règle du... faut envoyer les coups de pied dans le torse et dans la tête, mais on a eu le bronze avec Benef et la dame qui a une belle médaille d'or. Non, pas mid. Pas mid sport, mon daron. Eh, j'en parle comme je veux, sport ton daron, frère. Non, attends, en vrai, de vrai. Taekwondo. T'as mis ça où, escrime? J'ai mis ça en top sport. Taekwondo, en fait, le truc, c'est que je comprends... honnêtement, je comprends rien. Je comprends rien, donc... Après, le truc, c'est que Taekwondo, le peu que j'ai regardé, j'ai bien aimé. Genre, j'étais en mode, vas-y, cool, quoi. Mais attends, c'est à quel niveau? Ouah, ça va, les mecs, c'est au niveau de... du surf, 1500 et tout, c'est pas affolant. Tennis, heureusement, c'est Djoko qui a gagné, hein. Sinon, tennis... les gars, je dis tennis, j'aurais mis là-dedans. J'ai mis dans Ires Datchit, efface-moi cette merde. Heureusement, c'est Djoko qui gagne. Du coup, Djoko, il y a quand même un prestige, un palmarès de... c'est bon, le mec a tout gagné à un certain âge. C'est exceptionnel, c'est beau ce qui se passe. Mais... oh. Sinon, franchement, c'était là, hein. Le tennis, au JO, je m'en branle. Ça y est, les cousins, ça y est. Tennis, respect, hein. Tennis, respect. Franchement, ça se voit, c'est cool et tout, mais... déjà, en général, c'est un sport long. Mais là, alors oui, c'est raccourci, mais ouais, c'est encore... c'est quoi? C'est en 2-7 gagnant. Vas-y. C'est quoi? Mais carrément, je suis sympa, je pense, peut-être mettre ça dans mid. Je mets ça dans gaze. On parle de regarder au JO, hein. Je te mets ça où? Mid ou gaze. Parce que oh, le Djoko, quand même, il y a un storytelling, quoi. J'hésite. Parce que le foot, les mecs, Coupe du monde, du Mexique, tout ça, ça reste mon top en sport tous les temps et tout, hein. Là, on parle au JO. C'est moins long, JO, donc c'est mieux. Bah, je crois que c'est 2-7. Vas-y, en vrai, je lance les JO, je veux pas le mater de tennis. Je veux pas mater de tennis, gaze. Ça y est. Ça y est, cousin. Vas-y, je vais pas mettre d'en retirer parce que vas-y, en vrai c'est cool. Parce que les mecs, Djoko c'est stylé quand même. Djoko là qui gagne tout, c'est impérial. C'est vas-y, il a quel âge? Il a quel âge, Djokovic? 37 ans, vas-y, il arrive, il gagne enfin une JO, c'est bon, il a tout gagné. Franchement, c'est. Non, c'est. On n'enlève pas. Trampoline. J'ai même pas vu, je crois. Ah, attends, quoique si, y'a un mec qui a failli mourir. Enfin, il a failli faire une chute de fou. Bon, y'a pas de français en finale, du coup, je m'en branle. Ouais, non, mais j'ai pas regardé en vrai. Ah, en vrai, j'ai passé à regarder, c'est bon. Non, faut être honnête. Faut pas y penser au clip, faut être honnête. J'ai passé à regarder. Triathlon. Non, on a une française qui a gagné triathlon féminin. Bah, j'ai vu que la fin. Mais. Ouais, c'est sympa. Peut-être j'ai pas eu des grands frissons devant le triathlon.
Oui, voilà, Beaugrand. Putain, on a eu deux médailles du triathlon quand même, on est fort, hein. Enfin, en individuel. Première féminin et troisième homme. Ouais, non, c'était sympa, triathlon. J'avoue, c'était le matin, du coup, j'ai pas trop maté non plus, quoi, mais c'était ok. Et puis bon, ça reste longué. Ouais, équipe, c'est ça que j'ai maté, parce que c'était le jour où je prenais le train, du coup, j'étais levé tôt. Et du coup, c'était... En fait, non, c'était pas ouf parce qu'on était à chier, à part équipe. Triple saut, j'aime trop, moi. Après, triple saut, il y avait pas... Je crois, français, on a chié dans le pot. Attends. Ouais, ah oui, Guillaume, elle a fait 12e. Triple saut, moi, je trouve ça cool. Après, en fait, j'avoue, je mets pas en trop bien, parce que, vas-y, y a pas de français, donc, vas-y, j'étais pas happé non plus, mais... Triple saut, je trouve ça impressionnant. Genre, tu sais, genre... Tu sais, je trouve les corps, t'étais à bang, t'as des longues jambes. Pfiou, 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 bah. Non, c'est cool. Je pourrais mettre dans trop bien, franchement, mais vas-y, on n'a pas eu de français. On n'a pas eu de français, donc... On n'a pas eu de français, donc je sais pas. Volleyball. Volleyball. En fait, les mecs, j'adore le volley. Le back-to-back médaille d'or, c'est exceptionnel. Mais j'ai pas... Attends, est-ce que je me... Ah, je peux pas le mettre des trop bien, c'était mieux, wesh. C'était mieux. Ah, vas-y, c'était pas au niveau du... C'est pas au niveau des judos, du basket, triple, escrime. Ouais, non, je dois le mettre. En plus, je suis con. Ah, non, en vrai, vas-y, on a mis 3-0 en finale quand même. Ah, non, je suis un ouf. Non, 3-0. 3-0, on a trop bien joué. On va mettre ça dans mid. C'est où? Ouais, mid.
Lutte. Pour finir, lutte. Comme c'est la semaine, j'étais en vacances. Ouais, je sais pas. Je connais pas assez, quoi. Tu vois, genre le judo, grâce à Jean, et même j'ai regardé 150 combats, j'ai capté les règles. Ouais, je trouvais ça mid avec tout le respect. Oh, je pense que je me fais. Tiens, genre, je me fais tellement insulter sur Twitter, je pense. Attends. Ça va pas être français, du coup, mid. Lutteur, ils vont t'attraper. Eh pardon, eh, hey, c'est la mienne. Mine, it's mine, c'est pas objectif. Si c'était objectif, j'aurais mis le foot un peu plus haut, j'aurais mis le foot dans Gaze. Attends, en vrai, attends. Je regarde, est-ce que... Non, on a fini ce qu'il y a des trucs, j'ai été dur. Judo, basket, vélo... Franchement, hey, freestyle, j'aurais pu mettre dans top moment. Franchement, la run de Jean-Jean, elle était folle. Mais je pense que c'est bien de laisser là. Nage, tennis de table, volet... 100 mètres, normal, 3x3, tir à l'arc, bad, vélo de piste, 100 mètres, et rugby à 7, boxe, canoë, slalom, escalade, aviron, surf, taekwondo, triathlon, triple saut, 10 000 mètres race, 5 000 race, artistique, swimming, canoë, sprint, décathlon... Discus row, c'est quoi ça déjà? Non, c'est disque. Ah, il lançait disque, c'était Florent Michou. Équitation, handball, moderne, pentathlon. Gymnastique rythmique. Ouais, franchement, dans Guess, ça va en vrai. Attends. Gymnastique artistique. Attends, je réfléchis. Est-ce que gymnastique artistique, je peux le mettre dans mid? Je peux le mettre dans mid, juste vas-y. Je peux le mettre dans mid en vrai. Arrête, c'est un peu la pression sociale. Mais en trop bien, doucement. En plus, c'est vrai qu'il y a eu les arceaux, il y a eu 6 finalistes sur 8 qui sont tombés. En vrai, allez, je peux le mettre dans mid, allez, tu peux y aller. Non, beach volley, c'est carré. Beach volley, franchement, je pourrais le mettre là, mais vas-y. Ouais, beach volley, ce qui est dommage, c'est que je trouve la mécanique d'être en 2v2, c'est cool, mais vas-y, c'était chiant à regarder, je trouve. Tennis, j'ai déjà dit. Genre, c'est que pour Rémi tennis. C'est que pour Rémi, genre. Mais soit la paire, j'ai mis d'en pas regarder, je suis honnête. Je l'ai pas vu. Attends, et retire-moi cette merde. Breakdance, je mets derrière parce que j'ai pas eu faire le tapin. Ah, breakdance, j'ai pas eu faire le tapin, mais j'ai pas été. J'ai pas été transcendé. Genre, franchement, hey, c'est après, c'est au JO. Ben, regarde la redis sur la PH. Non, mais les mecs, on triche pas. Là, je te parle de comment j'ai vécu mes JO. Je parle de comment j'ai vécu mes JO. Moi, je l'ai pas vu en direct. Du coup, ce que j'ai pas vu en direct, les mecs, je l'enlève. Ça marche pas. Ok sur gazon. Il y en a beaucoup eu, hein. Il y en a beaucoup eu, ok sur gazon. Mais vas-y. Vas-y, franchement, j'ai regardé. J'ai vu beaucoup de matchs, hein. Non, j'étais posé peut-être 40 minutes, hein, mais pff, non. Le breakdance, je suis désolé à tous mes breakers, à tous mes b-boys et b-girls, on dit. Je crois que c'est ça le terme. Pff, non, c'est pas pour ça. Golf, erase that shit. Football, ce carré. Oh, football, oh là là, football, je vais me régaler. Mais ça, hey, football, hey, faut modifier ça. Faut faire football à 7. Football à hey, un five sur un terrain large. Là, on a du content. Et on peut regarder 200 mètres. Ouais, non, j'ai rattrapé derrière. Vélo de piste, vélo intérieur. En fait, vélo d'intérieur, j'ai vu 2-3 étapes, quoi. Marteau, j'ai pas vu. Saut en hauteur, j'ai pas vu. Javelot, j'ai pas vu. Saut en longueur simple, j'ai pas vu. Ok, j'ai peut-être vu. J'ai peut-être vu saut en longueur, attends. Attends. Ouais, non, j'ai pas de souvenir. Je pense que j'ai vu. Ils font soit en longueur tout court au décathlon ou pas? Peut-être s'il y a ça, je l'ai vu. Oui, ok, bah, peut-être c'est là que j'ai vu. Vol, pole, j'ai oublié c'est quoi.
Marche athlétique, j'ai pas vu. Tir, j'ai pas. C'était le matin à 8h du SBA. Et trampoline, j'ai pas guetté. Hop. Attends, qu'est-ce qu'il m'envoie? Non mais pardon, mais... Pardon, démo, mais attends. Après, ça, c'est les cas à part. Il y a eu des très bons danseurs, hein. Putain, c'est fort. C'est à quelle étape du tournoi? C'était les poules. Les gars, après, attention. Juste, il y a eu d'autres étapes de vrais danseurs qui ont vraiment dansé. Juste que j'avoue, moi, le peu que j'ai vu, mais des vraies danses, j'ai pas été happé par le truc, quoi. Et comme, de toute façon, c'est plus là au prochain JO... Classe. Ok, bon. C'est la fin de la tier list. Dites cheese pour la photo. Attends, je suis moche avec les lunettes, j'enlève. Attends. La tier... Non, vas-y! Il y a la tier list de sexy sur le screen, frère! Arrêtez! Mais c'est grave! Bon. Je la tweet. Attends.